Ben, je sais, le petit matin, c'est bien tranquille, bien calme. C'est pas beaucoup plus agité pendant la journée. On n'est pas à Bédouin. Donc nous sommes ici. Pour monter donc au Ventoux par Malocène. On a 21 km de montée à 7,5 de moyenne et avec des pics à plus de 12%. Une première étape sera à la station de ski du Mont-Serein, plus ou moins dans 15-16 km. Et c'est juste avant la station que les pourcentages sont les plus élevés. Voilà, vous avez le panier devant vous. 16-21. Voilà, on sent déjà mal au sel. Je me rends compte que c'est pas très très grand. Trois jolis petits villages pour un sale. Dernièrement, on va tout m'attraper et donc bientôt me dépasser des règles. Dans ce genre de col, c'est rester sur votre rythme, n'essayez pas de lui prendre la roue au risque de changer trop rapidement de rythme pour vous et l'exposer, surtout quand il reste 11 km de montée, voire peut-être même bien 17. Alors, passage de la chapelle de Pio, on récupère les pourcentages plus adéquats
un gabarit quand même bien. Et donc on récupère un peu pour attaquer la suite. Et donc dans cette montée, d'ailleurs comme dans la montée de Sceaux et de Bédouin, il y a des poubelles un peu partout, ce qui me fait penser à vous rappeler de bien vous alimenter. N'oubliez pas de prendre des fruits, des bonbons, du sel, des aliments salés, hein, pas du sel rond. Et surtout de bien vous hydrater pour la montée de Sceaux. J'ai bu 2 litres sur la montée et sur celle de Bédouin pareil. Donc aujourd'hui même chose, j'ai 2 litres de liquide sur le cadre. Votre conseil, si je peux me permettre, j'ai remarqué, il est tôt, ok, puisqu'il est un peu plus de 7h du matin là, mais le soleil est super rasant, prenez une casquette, au risque d'être ébloui. Heures du matin, il est fou lui, mais là les conditions sont idéales. Il est 17 degrés, pas de vent, idéal. Il reste pas 2 km avant d'arriver au Mont-Serein. On a bien certainement le tour à percevoir les installations.
joue un peu touriste. Je vais quand même vous faire découvrir la vue avant tout à partir du Mont Serein. Et donc ça donne ça quoi. Une belle carte postale. Après un petit arrêt au Mont Serein, on repart pour les 6 derniers kilomètres. Donc vous avez vu, on est à 1432 mètres d'altitude. Donc ça veut dire qu'il nous reste un peu moins de 500 mètres de dénivelé. Et ben, Mont Serein terminé. Direction Mont Ventoux, sommet. Bonjour.
200 derniers mètres à fond dans le vent. On aurait eu de la chance. Parce qu'on n'aura presque pas eu de vent. Ce qui est rare au Mont Ventoux. Je regarderai en haut pour ne pas me planter. Vraiment, on va avoir tout au-dessus de ma tête. Sur la troisième montée, celle par Malocène. Une montée qui est un peu plus simple que celle par Malocène.